Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce 13e épisode. On s'était quitté sur une attaque de train un peu limite hein, dans quel secteur on l'avait fait? Tac 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 tac, ça devait être par là je pense vu que là je suis en rouge. Donc l'attaque de train devait se faire par là je pense. Enfin bon, qu'importe, on s'en fout de l'endroit où c'était, mais... Donc vous voyez que maintenant, il y a le petit liseré rouge ici, comme ici, c'est que j'y ai fait des conneries, à mon avis. Alors je sais pas comment ça va impacter, parce que là, je suis recherché clairement, là, on voit que c'est tout le truc qui est rouge. Là, il y a que la frontière qui est rouge. La frontière de la zone, donc... Et la carte, elle a l'air d'être assez conséquente. Ok, du coup, pourquoi j'étais sur la carte? Parce que je cherchais des trucs à faire. On va aller voir John Marston. Pour la mission. Je vais quand même aller me servir, refaire le plein de munitions. Parce que j'ai vu que j'avais plus trop de flèches, il me semblait. Je crois que j'avais que 11 flèches ou... Ou un truc comme ça. Balle pour pistolet, je pense pas que ce soit ce qui me manque le plus, mais dans le doute, on va prendre. Ouais, il faudra que je fasse le ravitaillement des... Il faudra que j'y améliore. Ah non, je sais ce que j'avais dit que je devais faire. Fallait que j'améliore... Fallait que j'améliore, je crois qu'on a des dollars à claquer. Ouais, c'était ça que j'avais dit, fallait que je fasse. Donc on va améliorer le camp. Normalement, j'ai plus rien à y mettre, je crois, en contribution. Non, on va pas donner de l'art. Faire un don. Non. On va donner un objet. Non, j'ai tout donné. Ouais, on va garder le reste. On va s'en garder un petit peu pour nous, quand même. Hein. C'est bien de penser à la bande, mais... voilà, quoi. On va donc améliorer le campement. Je pense sincèrement que j'avais fait une connerie en améliorant d'abord le truc de cuir, mais bon. Cagnotte du camp, 95$. Moi, j'en ai 460 dans la poche. Mais on n'avait pas donné des trucs qui donnaient plus au... Il me semblait qu'il y avait un truc qui marquait, je sais pas, par du camp, 400$, ou un truc comme ça, ou 300$, là, quand on a fait le braquage du train, là. Non, il n'y avait pas eu... Il n'y avait pas eu un truc comme ça? Là, on voit quelqu'un en ville et récupérer d'autres exemplaires des objets déjà en stock. Va falloir que je fasse un truc comme ça hein, pour le dollar. Ça m'évite d'avoir à aller acheter en ville en fait, mais bon, pour l'instant ça va. Voilà. Donc là, ça a pris sur mes réserves à moi. Alors, vos quartiers ont été améliorés. Une carte de voyage rapide et du nécessaire de toilettes supplémentaires sont à présent disponibles. Vous pouvez désormais voyager rapidement depuis votre camp. Et améliore le reste du camp. Je sais pas ce que ça donne. Tout le reste des camps, des tentes. Ouais, bah je vous avoue que j'ai pas forcément très envie de faire ça. Pour fusil, pour l'instant, j'ai pas trop de fusils. Si j'ai un fusil à verrou pour la chasse. Voilà, bon. Bon, il y a un petit peu d'interaction au camp, c'est bien, ça donne un petit peu de vie. Elle est où la carte? Ça n'a pas profité pour me recharger ce que j'avais. Hein. On est d'accord. C'est à Valentine que je voulais aller. Hein. Ouais, on est d'accord. Ouais, bah ça va permettre de gagner un petit peu de temps. Le seul truc un petit peu, entre guillemets, un petit peu con, c'est du coup, ça... Il y a toutes les interactions qui disparaissent, comme la rencontre des personnages de PNJ qui demandent de l'aide,
ou du gibier ou des choses comme ça. Mais ça se fait que depuis, de ce que j'ai compris en tout cas, ça se fera que depuis le camp vers les points d'intérêt. Donc bon, après Valentine, c'est pas le coin. Je suis pas sûr que ce soit si rentable que ça, parce que là vous voyez, ça me fait un temps de chargement, on va dire. Et en plus, je peux même pas squeezer en appuyant espace pour entrer. C'est pratiquement le temps qu'il me faut pour y aller. À peu de choses près, je pense que là, ça me fait gagner une minute. Voilà, c'est pas le truc qui me fait gagner à mort du temps, quoi. Et en plus, je suis pas arrivé du bon côté, donc non. Clairement, pour Valentine, c'est pas le... Voilà, c'est pas le truc exceptionnel, quoi. Je suis jamais allé chez le shérif. On va aller jeter un coup d'œil chez le shérif. Ah, j'avais jamais fait gaffe que j'avais le double gun comme ça, la ceinture. On va aller jeter un coup d'œil chez le shérif. This is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Ah. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. C'est bien, il est malin, shérif, mais il est pas curieux, c'est bien. This here's a livestock town, mister. Tracks delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. So poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Get some kind of sick satisfaction out of it. Donc un empoisonneur, alors. Says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? Money's good. I need him alive, though. Ah, c'est la question que j'allais poser. Vivant. Sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. D'accord. On va voir si on a le temps de se faire ça. Il est où? Bon, bah, de toute façon, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix, ça m'a fait sauter la mission. J'allais dire, on va voir si on a le temps de se faire ça après, mais c'est même pas après, il va falloir qu'on se le fasse. Allez, on s'y met, on va se jouer RP. Alors, pourquoi ils me font passer comme ça, comme ça, comme ça, pour inspecter un truc, alors que là, il y avait un chemin qui passait, là. Surtout s'il s'agit d'inspecter la gorge. Je sais pas, je peux pas l'inspecter depuis dedans. Faut que j'aille forcément depuis les hauteurs. Ah. Ah. Ok. Je comprends mieux. Joe, des fois, faut pas essayer d'être plus malin que le jeu. Hein. Je fais pas le coup de la touche rémanente parce que le jeu n'aime pas trop les retours sur bureau, vous avez aperçu.
Alors je vais essayer d'être prudent quand même. Mais par contre le jeu est juste super beau. Allez, on va aller un poil plus vite. Puis il y a les effets de déformation comme les mirages dans le désert et tout, les déformations avec les vagues de chaleur. Non, le jeu est vraiment contemplatif. Bah j'espère que ça vous plaît. Bon, ça me change des mes jeux habituels. Hein. Enfin, mes jeux habituels de World of Warship, quoi. Est-ce qu'il y a un petit peu de chasse à faire en attendant? Merde. Je vois pas ma flèche. Bon, bah c'est mort. Ah si, il a retrouvé. Là, il y en a une. Ah, là-bas, il y en a un. On peut traverser à cheval, là, ou pas? Ah, on peut traverser. Merde, je suis con, il y en a un là-haut. Ah, c'était galère. C'était galère. On va préparer le lasso. Voilà. Là, on peut pas le capturer. On aura quand même l'air plus sérieux avec une carabine à répétition. Et on va prendre. Bon, c'est pas grave, on a l'arc sur le dos. On sera peut-être plus menaçant avec le fusil dans les mains. Si, si, c'est lui. Ouais, c'est la première mission, je pense que ça va être assez facile. Il a ses flacons à côté de lui par terre, hein, je vous signale. My mother's real sick. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state.
Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Take it, me? What for? Il va sauter dans la rivière. Pushing his killing folk near the price on your head. I don't know, it ain't my business. Partner, that's crap. I'm a healer. Il va sauter ou il va tomber? I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. Oh, purée, le classique. Non, mais sérieux. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Bon, déjà, il est désarmé. Hold on. I'm slipping. Merde. Sorry. Je suis pas sûr que j'aurais pu l'éviter, ça. Ok. Il sera peut-être content de se faire capturer hein, une fois qu'on sera là. Hein. Après ce qu'il aura vécu. Je me rappelle pas avoir fait une touche pour le libérer, mais bon. On va le fouiller. $2. On va se le mettre sur le dos. Allez. On va rappeler le cheval. Bah c'est bien, ça nous donne les bases de la chasse à la prime comme ça. On va le charger sur le cheval. En eau profonde, avec un passage ligoté, il tombera de votre cheval et risquera de se noyer. Ok. Donc ça veut dire, mon petit Joe, traverse pas la rivière ici. Si, là je peux. Ok. En gros, faut faire gaffe avec les passagers, quoi. Bon, bah c'était un petit truc sympa. Pour livrer le kiné, amenez-le au bureau du shérif. Et mettez-le dans une cellule vide. On peut le frapper ? J'adore ce sadisme. Je peux lui remettre une petite ou pas là? Ah, on peut pas le frapper à volonté. Allez, paf! T'as une petite dans la gueule encore. Je sais, c'est purement gratuit, mais c'est tellement sympa d'y en mettre une quand il se réveille. On peut leur mettre une petite avant de le ramener. Allez. C'est vrai que je suis mal placé pour te juger. Hein. J'ai tué sûrement plus de monde que toi. Mais moi, j'ai pas tué. Enfin, je pense pas. Enfin, j'allais dire, j'ai pas tué d'innocents. Quoique si, j'ai tué des chasseurs de primes. J'ai dû tuer des représentants des forces de l'ordre. Ouais, je suis pas un enfant de cœur, clairement. Sure.
Ah, attendez. D'accord. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner? I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Oh, sympa, 50, ouais. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Bon, elle fut sympa cette petite chasse à la prime. Et vous voyez que mon karma est... Ah merde! J'aurais pu l'empêcher de... Ah! C'est con! D'accord. Ok. Bah, je sais pas si je les rejouerai. Je ferai peut-être un épisode plus tard sur les missions et je les rejouerai pour essayer d'avoir à chaque fois le maximum de points dessus quoi. Ah, on devrait pouvoir attacher son cheval au poteau, là. Que des hauts de Driscoll. Eh bah, bon Dieu. J'ai pas tout compris là. Pourquoi il s'est passé ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le jeu? Alors j'ai bien compris que je suis allé vers les Driscoll et que, c'est, que ce sont pas mes copains. Hein. Alors ça, j'ai bien compris que mes... Ouais, là, je vous avoue, j'ai... Non, j'ai pas compris. Enfin, si, je sais que les Driscoll, ce sont pas mes amis, hein, mais pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Si, je suppose qu'il a suffi que je m'approche. Mais bon, pourquoi tant de haine? Alors, les autorités ne vous traquent plus, mais vos crimes ne sont pas oubliés. Si un reprendre la loi vous repère dans une zone marquée en rouge, vous serez recherché à nouveau. On fait comment pour payer ses primes? Ah, la prime, elle a l'aide 300.
Attendez. Je peux recharger ou pas? Non, on peut pas recharger. Attendez, je réfléchis. Bon, re tout le monde. Alors, j'ai rechargé ma partie. J'ai rechargé. Attendez, il y a un point d'interrogation par là. Voilà. J'ai récupéré mon chapeau. J'ai brossé mon cheval. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Ça c'est peut-être mieux, non? Alors si je me promène comme ça en ville, est-ce que je vais être mal vu? Je vais quand même sauvegarder un coup. Histoire. Du coup, j'ai vu où c'était le chargement. Il a fallu que je recherche un peu mes petits. Oui. On va tenter là. Bah là, il n'y a pas les O'Driscoll, tiens. Ouais, je sais pas, c'était peut-être un coup de malchance, mais j'aurais dû me méfier, il y avait le O'Driscoll qui était devant, donc je savais bien que ça puait. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Up to you. Là, on voit le fil des points de suture. We got any leaks. Got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now. Maybe. Come on. On va peut-être nous apprendre enfin le vol de bétail. Collect some. Help us get some sheep. You know that attempt to seem all enigmatic and interesting. That might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. Let's see. A train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money. Donc on prépare un coup avec les moutons. Worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen, Dutch is... But, well... Bon, on parle du passé un peu avec Dutch et tout. Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way... Bon, on est en train de... En gros, on sent que le vent est en train de tourner, quoi. Et que le mode de vie qu'on a va changer. On va aller chercher des armes, non? Here, so you damn well listen.
Qu'est-ce qu'il me veut? Gun store. Yep. It's all good. Calm down. Yeah, yeah, sniper rifle. I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Ah, c'est parce que j'ai le bandana. Mon Dieu. Attendez. Hello, how can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Yeah, shouldn't be a problem. If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. On va... Bah, c'est bien si ça nous débloque les armes. Fusil. Ok, pour zéro. Pourquoi j'ai 347 dollars? Ah oui, la chasse à la prime. Ah d'accord. Oui, il y avait un truc que j'avais pas vu la dernière fois, c'est ça. Donc celles-ci ont une meilleure portée mais font moins de dégâts. Alors la standard, c'est standard. Bon, bah écoutez, hein. Allez. Le fusil à verrou. Bon, ok, bah écoutez, on verra bien. Bon, au moins j'ai pu avoir mon fusil à lunettes pour aller chasser. Ça pourrait être sympa, je pense. Quoique c'est peut-être un petit peu trop gros pour la chasse, non? Ah mais c'est son fils à lui. Just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? Oh, ça c'est moche. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Bon, en gros, on va voler un troupeau de moutons, c'est ça le truc? Mais c'est vrai que le vol de bétail, ça fait partie de la légende du Far West, hein, mais... Ouais... Bon, de toute façon, on est toujours sur une phase tuto hein, dans le jeu, hein. Vous voyez, je suis à quoi, une douzaine d'heures.
too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. En tout cas, la vue est juste, je sais, hein, j'arrête pas de le dire, c'est juste super beau, quoi. Ah, ouais, je les vois, là. Ils sont trois. Faut juste que je tire à côté. Bah non, ils ont pas l'air effrayés du tout. Scared too easy. Put another shot in. You get. Yep. That spooked them all right. Ouais, mais les moutons aussi, du coup. All right. Let's go round them up. Eh bah, falloir qu'on les rassemble en plus maintenant. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Day here, there, but not much. Cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Calm it down. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Ok. Bon bah ça va, il fait plutôt bien le job au niveau de l'IA. Avancer derrière lui et orienter les bêtes dans la direction souhaitée. Par contre, vous avez vu qu'elles sont marquées les bêtes, les gars. Faut pas être couillon, hein. Quand vous allez arriver en ville, ils vont savoir que c'est pas les nôtres. En appuyant U pour tirer et faire accélérer. Lorsque vous visez avec une arme, pointez-la en air en appuyant sur U. Ah merde. Je pensais qu'elle aurait peur. Crier aux chevauchés à côté d'elle pour les diriger vers le troupeau. Ouais, je pensais que le simple fait que je passe à côté lui ferait peur, donc excusez-moi. Excuse-moi, pauvre petit mouton. En plus, ça me fait penser, j'ai du gigot d'agneau dans le frigo, faudrait que je pense à le faire. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Remarquez, c'est bien, ça va nous donner du fric, je pense, assez conséquent. Je pense hein, que ça va être... enfin, j'espère que ça va être conséquent, parce que là, il y a combien ? 1, 2, 3, 4... Il y a une quinzaine de têtes.
Ouais, et c'est maintenant qu'ils nous disent attention à ne pas bousculer les bêtes par derrière. C'est tout à l'heure qu'il fallait me le dire, le jeu. Ah, on peut faire un coup de pied comme ça quand on est à cheval? S'ils nous donnent moins de 15$, ça vaut pas le coup. Ah, quoique, 1$ la tête. Ah si, ça se trouve, ce sera peut-être que 15$. Je sais pas. Il est pas con, lui. C'est vrai que les voleurs de bétail sont très mal vus. 15, 20, 18. Oui, il m'a semblé voir que ça nécessitait un coup de brosse. Okay, fella. Ouais, mais on reste moins voleurs que les banquiers et les assureurs, hein, je vous rassure. Nous, au moins, on sait qu'on vole. Ouais, il y a le signe de brosse qui apparaît alors que je viens de le brosser, le cheval. J'ai rebrossé un coup. Ça se trouve, le sang, ça a de l'importance. Hein. Peut-être qu'il faut le faire beaucoup. Allez, une petite caresse au passage. Bon garçon. Gentlemen. Dutch, Lebo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen. Drink? Bon, ça s'est plutôt bien passé. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn finishing school has some strange... C'est marrant qu'il appelle l'académie de Dutch une académie. Enfin, son groupe, une académie. Ouais, c'est vrai qu'il apprend... C'est l'école de la vie, mais bon. Oh là là. Les hommes de Pinkerton. Ah, ça c'est le gars du train, ça. You start spinning a yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. Why not? Alors, est-ce qu'on va lui tirer une balle dans la tête? Ah, il s'est barré, lui. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case.
your mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be. Vanderlyn. La merde. Attendez. J'ai appuyé sur... Voilà, en fait j'avais gardé le clic gauche appuyé. Ouais, c'est un peu mode easy mode. Tu touches en pleine tête. Toutes les balles tuent en une fois. Ah bah non, pas toutes. Par contre, comment on va faire pour revenir dans cette ville après ? Je fasse quoi avec lui? Et j'ai pas pensé à looter tout le monde. J'ai pensé à looter personne. J'ai looté personne, les amis. J'ai pensé à looter personne, j'aurais dû looter. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. So, we can't stick around after this. Let's go. Alright, I better get out of here. Ah, c'était pas une bonne idée ça d'essayer de goûter.
Pourquoi il perd son chapeau mais il perd pas la tête? Par contre, je suis vraiment un mauvais viseur hein, pour pas le tuer à cette distance-là. J'ai été puni par où j'ai péché. L'avidité. L'avidité, les amis. Faut pas être trop perfide. Allez, on recommence du point de passage. On va les abattre et puis on va se faire la belle. Allez, tu bourris. C'est vrai qu'il y a la falaise par là. Bon, remarquez au moins, c'est que je les ai fait partir sur une fausse piste. Par contre, je vous cache pas que moi qui ai fait tellement pour essayer d'avoir un bon karma, ça me fait chier d'avoir un karma de merde parce que le jeu exige que je fasse des meurtres en ville. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Ah, 25 tirs en pleine tête. Et j'ai pas eu... Ah ouais, mais j'ai rechargé. D'accord. Ok. Bon, bah, va falloir qu'on se tire, hein. Il va falloir qu'on aille voir Dutch. Bah, ça y est, on commence à être recherché un peu partout, hein. C'est ça, la vie de malfaiteur. Ouais. Et juste quand je venais d'améliorer le campement. Alors, est-ce que j'ai amélioré le campement trop tôt? Est-ce qu'on va déménager? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'on n'est pas très bien caché, hein. On est à quoi? À 1 km de la ville? 2 km de la ville? À la limite, dans la petite maison dans la prairie, les mecs ils habitaient plus loin du centre du village, quoi. Les chasseurs de primes se souviennent de vos précédents... Ouais, dans cet état, payez votre prime au bureau de poste. Ok, donc c'est au bureau de poste. C'est pour ça qu'ils ont fait gagner tant de fric, bordel. C'était pour payer la prime. Et moi, j'ai tout dépensé dans le camp. Dutch, on est dans la merde. À cause de tes conneries. Find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low? Turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This will end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Newberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Ouais. Bon, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on se retrouve au prochain épisode pour la suite de cette vidéo. Enfin, la suite de cette mission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao, ciao, les amis. Allez, à très bientôt.